Hello les citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Et dans cette vidéo, nous allons faire un relooking. Je me suis déco reco pour essayer de moins laguer. Et paf, ça fait des chocs à pic. Non, c'est pas vrai, ça fait pas du... Et si seulement ça ferait des chocs à pic. En plus c'est le matin, pour petit déj, ça aurait été parfait. Bref, des chocs à pic dans mon thé. Oui, parce que j'ai un thé, j'ai plus pas un cacao ce matin. Et j'ai envie d'aller découvrir le shopping. Alors c'est pas du tout le thème de la vidéo. Alors le thème de la vidéo, c'est tout simplement le relooking. Encore une fois, si vous voulez être relooké, si vous voulez tenter d'être relooké, parce que voilà, je ne vous promets pas un relooking étant donné que je ne fais passer environ 3 personnes par vidéo pour un relooking, eh bien mettez en commentaire votre pseudo sur Movie Star Planet, voilà, en disant oui voilà mon pseudo, je vais être relooké et je vais essayer de vous relooker. Voilà, je prends toujours des personnes un petit peu au hasard. Là pour le coup j'ai pris les trois premières personnes des commentaires. J'ai pas cherché loin pour changer un petit peu. Et écoutez, tu pues. Me demander en ami. Je t'attends, tu pues. Je pue. Comment ça je pue? Bref, on va aller faire un relooking puisque voilà, voilà. Et du coup la première personne c'est Laura. Donc c'est assez bizarre parce que j'ai trouvé Laura, mais j'ai trouvé une Laura 2. J'ai pas trouvé la vraie Laura. Je crois pas que ce soit la... Je crois... Je sais pas. Je fais comment, moi? Je fais comment, Laura? Je ne te trouve pas. Je ne pense pas que ce soit toi. Parce que bon... Ouais, à moins que ce soit toi. Bon, au pire, on va relooker Laura 2. On va partir du principe. Ça se fait, Laura, elle me connaît pas du tout. Elle sait pas qui je suis. Elle doit se dire, c'est quoi, la fille? Pourquoi elle me fait un look? Ça, c'est pas du tout elle. Mais bon, allez, on va quand même lui faire. Ça va être rigolo. Tatata, relooking, créer un look pour Laura. Et on va lui créer un look. Oh là là. Oh, regardez, elle a utilisé la technique pour la bouche VIP. Mais ça se voit, là. Là, faut changer la couleur. Là, ça ne va pas du tout, ma chérie. Ça ne va pas du tout, du tout. Il va falloir changer ça. Bon, pas bon. Allez, c'est parti. Ok. Bah, écoutez. Non, on va pas prendre la facilité. On va pas prendre la facilité. Bah tiens, on va lui prendre le haut là. En soi, il n'est pas moche, mais en fait, vu que tout le monde l'a, vu que c'est un objet de départ, un objet qu'on a tous un peu dans nos inventaires, ben, il perd un petit peu de sa beauté, entre guillemets. Mais sinon, en soi, il reste sympa. Hein. Ça reste un jeans par-dessus, un pull comme ça à zip. Je trouve ça sympathique. Et on va essayer de faire quelque chose. Là, c'est compliqué de faire quelque chose. J'aime pas du tout ce short-là, parce que ça me stresse de voir les poches qui dépassent ici. J'ai l'impression que c'est un bug, alors en fait c'est des poches. On va prendre, bon, au pire on va essayer de trouver un haut qui va bien avec le bas là. Ouais, on va prendre ça au pire. Là vraiment, ouais, plutôt le haut là. Plutôt le haut là pour que ça fasse pas trop argenté. Bah là c'est un petit peu compliqué le relooking. Hein. Voilà, c'est vraiment un petit peu compliqué. Hein. Et là c'est quoi ça? Oh mon dieu, on dirait que... Je crois que c'est censé être des fleurs, mais on dirait des papiers de bonbons que tu mets dans les cheveux. Tu sais, quand les papiers de bonbons, tu prends le bonbon, tu bouffes le bonbon et puis il te reste un papier. Et on dirait que c'est un vieux papier de bonbons, de chewing-gum ou je sais pas quoi. Et bam, tu te le mets dans les cheveux. Bref, on va enlever ça, c'est terrible. Et on va lui trouver des chaussures. Le relooking le plus rapide que je n'ai jamais fait. Et on passe au relooking suivant. Merci à Love pour la salutation, merci beaucoup à toi. Voilà, en plus c'est un très beau look, j'aime beaucoup le bandana avec la plume et tout, ça fait un petit peu indien, un peu américano-indien, amérindien, je crois que ça se dit, je sais pas. Pour la seconde personne à qui nous allons faire un relooking, c'est Lovelit. Et écoutez, c'est parti, on va aller lui faire le relooking, hop. Alors, elle a l'air d'avoir pas mal d'affaires. Alors j'aime bien faire un petit peu l'inverse de ce que les gens font. En vrai je trouve qu'elle a un très beau look, ça fait un peu Tumblr comme ça, les couleurs pâles, ça fait très le Tumblr. Et on va essayer de trouver quelque chose de différent, on va essayer de faire quelque chose de différent. On enlève tout. Des fois j'ai envie de laisser les fossiles parce que de toute manière je vais les remettre. Bon maintenant Halloween c'est fini, donc les looks Halloween c'est fini tout simplement. J'adore ce pull. J'adore ce pull, mais j'avais dit que je voulais pas faire un truc Tumblr, parce qu'elle a déjà fait un truc Tumblr juste avant. Après, elle a peut-être que des trucs un peu dans les couleurs Tumblr. Après, on peut faire... Ouais, mais j'adore le pull. Mais j'adore aussi celui-là. Celui-là, il est sympa. Au pire, on peut lui faire... Attends, je vais enlever ça, parce que j'avais pas vu. Le hola, je le trouve super beau. J'ai jamais fait de look avec le hola, et je le trouve vachement beau. On va partir sur ça. Alors, j'hésite à partir avec ça sur une jupe,
ou un short, parce que ça pourrait bien aller. Par contre, les couleurs là, ça va pas du tout. Plus dans les tons gris, un peu plus foncés quand même. Même le short là, il pourrait aller. Un truc dans les tons foncés. Bon, rouge, rouge et noir, c'est beau, mais voilà, je préfère peut-être ça. Et avec ça, ça passe encore. Je sais pas. Le rouge, j'aime bien, c'est juste avec le haut, peut-être. Je sais pas. J'aime bien, mais peut-être plus en noir pour les collants. Même si elle est très belle, cette couleur. Mais le short, comme ça, il va super bien avec le haut, là. J'aime bien, moi, le rendu que ça fait. Après, on peut partir aussi sur couleur jeans. Hein. Ça irait très bien avec le haut noir. Un petit jeans. On va aller voir un peu plus loin. Donc là, on arrive à la dernière page. Alors, on va tenter avec un jeans. Mais je sais pas. Ça aussi, ça le fait, mais je préfère le short. Surtout qu'avec le short à fleurs. Ouais, on va prendre celui-ci. Et on va partir dans les chevelures. Donc, très belle chevelure. Alors, bon, elle était déjà blonde à la base, mais vu que je vois qu'elle a beaucoup de blond, on va peut-être quand même rester sur une coupe blonde. Donc celle-ci, j'aime beaucoup quand même, vous savez, avec les deux petits buns, les deux petits chignons. Celle-ci aussi, j'aime bien. Donc cette coupe, elle est assez simple, je crois que vous l'avez en version non-zip. Et elle fait très bien l'affaire, elle est tellement adaptable à quasiment toutes les tenues. C'est ça qui est cool, c'est toujours bien d'en avoir une dans ses affaires. Et bah écoutez, on va rester, je pense, sur celle-ci, hein, sur la coupe-là. Alors les chaussures bien évidemment, parce que bon, marcher pieds nus, c'est pas ce qui est le plus... Oh, sympa. Sympa, c'est collant. Eh, ça le fait, j'aime bien le rendu. J'aime beaucoup le rendu des chaussures plus les collants. Là, ouais, le haut, on va garder le haut là. Même si je pense que peut-être un autre haut, ça ferait un petit peu plus beau. Peut-être. Parce qu'on est parti dans un look assez... assez rock, j'ai envie de dire. Bon, après, le haut, il peut rester... Après, si on accessorise, ça me paiera peut-être un petit peu mieux. Bon, on va mettre le collier, forcément. Ah, ça c'est parfait, en argenté. D'habitude, je fais toujours en ce moment les accessoires en doré. Mais en argenté, là, pour le coup, ça marche super bien. Ça, c'est quoi? Ah, bah tiens, on va remettre le bracelet. Hein, le bracelet que j'avais enlevé tout à l'heure, on le remet. Ça, c'est sympa aussi. Ah, et ça va par-dessus. Franchement, ça me choque pas par-dessus. Je trouve que ça rend bien. Ça, elle les a déjà finalement, mais du coup, je les aurais remis de toute manière. C'est vrai que les tatouages, j'en mets pas souvent. Pour être honnête avec vous. Oh mince, je l'ai mis, mais du coup, on le voit même pas. Ouais, par exemple, ça match mieux. Parce qu'en fait, ce genre de voilà, on dirait que ce tatoueur, il... Enfin, je suis désolée, hein, mais on dirait que le tatoueur, c'est un enfant, en fait. Il a dessiné des étoiles... Voilà, comme un enfant sur un bras, quoi. Ça fait pas trop en termes de tatouage. Ça fait déjà un peu plus professionnel. Ça fait plus un vrai tatouage. J'ai l'impression que c'est un faux tatouage. Et ça fait plus vrai tatouage. Donc, c'est pour ça que je mets pas souvent les tatous, quoi. C'est comme le snake, hein. Franchement, qu'est-ce que c'est moche. Et pourtant, c'est rare. Mais qu'est-ce que c'est moche, quand même. Ça, si on essaie de mettre ça. Et comme ça, on accessorise aussi la coupe. Ça, c'est cool. Donc ça, on dirait que c'est une nouvelle coupe, alors que pas du tout, les gars. Ok, on continue. Les eyelashes, on va les remettre, forcément. Forcément, les gars. Stay positif, ça va aller où, ça? Ah, c'est ici, on le voit un petit peu, on le garde. On le garde, les gars. On le garde. Bon, pour les boucles d'oreilles, on va rester sur les argentés. On va pas mettre de casquette, parce que de toute manière, avec les petits chignons, ça va pas le faire. Est-ce qu'on met ceux-là? Non, ceux-là, ils sont un petit peu abusés, quand même. J'ai envie de tester juste... Ouais, non, c'est abusé, les gars. C'est abusé. Non, on va mettre ceux-là. On va mettre ceux-là. Celui-là, il me tend bien aussi en noir. Il a presque trop... Ouais, on va quand même mettre cela. C'est un peu plus original. C'est un peu plus recherché. Oh, ça, j'adore. Ah, vous savez que j'adore ça. Vous le savez. Oh, j'adore ce looking. T'es trop belle, ma chérie. Ma chérie, machallah, t'es trop belle. Bella comme la papaye. Bon, puis j'arrête les conneries. J'ai envie de tester le bandana, mais après, est-ce que ce serait pas trop... Non, on va pas le mettre. Ça va faire trop, après. Là, elle est déjà très, très bien. Tu vois, c'est le genre de tatouage comme ça que je préfère. Mais bon, on va rester sur les étoiles. Est-ce qu'on met... Oh, qu'est-ce que ça a enlevé? Ça a enlevé quelque chose? Oh, j'adore. Oh, ça fait genre très rock. J'adore. Ah, oh, j'adore. Je pensais pas, en commençant. Est-ce qu'on met ça? Est-ce que ça a enlevé les autres collants? Oh non, ça part dessus. Ouais, mais non. Je trouve qu'après, ces collants-là, je les mets tellement... Parce qu'en fait, je les trouve tellement beaux. Il y a déjà tout le monde qui les porte. Je trouve que c'est plus original comme ça. Et j'ai envie de tester de mettre ça. Non, ça a enlevé quoi? Ça a enlevé le collier. Non, je préfère garder le collier. Bon, je pense qu'on va revenir au début. Et on va rester sur... hop, le collier, là, regardez. Hop, bam.
Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le relooking parce que après j'ai peur de partir sur un truc trop chargé. Mais là franchement je suis super contente pour le look. La quinzaine est passée par là. Je le trouve tellement beau comme ça le look que j'ai rien envie d'ajouter de plus. Ça va faire trop chargé comme je vous l'ai dit. Et on passe au relooking suivant. Et pour le dernier relooking de cette vidéo, nous allons relooker Chocolat 2. Ah, elle m'a envoyé une invite. Attends, on va lui renvoyer. Hop là. Et du coup, attends, un petit auto en chemin. Et c'est parti donc pour le relooking à niveau 25. Quand même pas mal d'affaires à ce que je vois. Et c'est parti pour le relooking. Alors, je vois qu'elle aime bien. Elle a assez un look assez... bah, Tumblr aussi, j'ai envie de te dire. Mais vu qu'elle aime bien les tons un peu plus sombres, hein, vous me connaissez, on va partir sur des tons clair si on en trouve d'abord hein, parce que je pars mais ça se fait des fois il y a des personnes ils achètent que des trucs d'une seule couleur ou ce genre de choses, ce qui est bien parce que du coup j'ai l'impression que ça leur fait une petite identité entre guillemets, ils ont une identité au niveau du style et bah ça fait plaisir. Bon le eyelashes on va laisser hein. Et ben écoutez c'est parti et c'est sympa, j'aime beaucoup quand même. On va essayer de trouver voir si on peut trouver quelque chose d'un peu plus clair. J'adore. Ça j'adore. Avec ça, j'adore. Oh mon dieu, mais vous avez de très beaux trucs, les gars. Oh mon dieu. Là. Attendez, c'était quoi ça? Ah non, ça c'est la robe là, je suis pas super fan. J'aime bien, c'est je crois une robe de Pâques, mais je sais pas pourquoi, je la vois tellement en ce moment qu'elle me sort par les trous de nez. Voilà. Pourquoi elle a des poussins de toutes les couleurs? Pourquoi? Faut que tu m'expliques. Faut que tu me laisses un commentaire et que tu me dises mais pourquoi t'as autant de poussins? Toutes les couleurs de poussins, c'est tellement drôle. Écoutez, moi je suis assez contente de ce combo robe et jeans. J'aurais préféré un truc un peu plus coloré peut-être pour que ça contraste un petit peu plus. Mais vu que je vois qu'elle aime bien les trucs pâles... Oh, désolée. Voilà, j'ai pas réussi à me retenir. Et quand j'ai pas réussi à me retenir, non, je n'ai pas pété, j'ai éternué. Bref, hein, parce qu'on sait jamais, je vous vois venir dans les commentaires. Je vous vois venir, les gars. On continue relooking, je pense. Ouais, non, on va rester là-dessus sur ce combo parce que ça me plaît bien, vraiment. Et même si je trouverais quelque chose de coloré, ben, ça me ferait chier quand même. Je vais en relooking ici. Ça me ferait chier quand même de remplacer ça parce que je trouve ça très joli. Au niveau des cheveux, je crois qu'elle avait des cheveux là. Celui-là, on a déjà utilisé. Ah, j'adore cette coupe. C'est celle que j'ai utilisée il n'y a pas si longtemps pour faire le défi là du look avec... Enfin, je sais plus c'est quoi le look diamant, je sais plus. Bref, on continue. Mais je pense rester sur cette coupe-là parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette coupe. Non, on va rester là-dessus. Celle-ci aussi, j'aime bien. Celle-ci, je l'ai en rousse. Et je trouve que ça va super bien en roux. Bah tiens, ça lui irait pas en roux d'ailleurs, tiens. Pourquoi pas la mettre en roux? Je mets tellement peu de fois du roux, mais en même temps, vous n'avez pas souvent des cheveux couleur roux. Alors que c'est super beau le roux. Vraiment. C'est super, super beau, je trouve. On va rester sur le roux. En plus, j'aime beaucoup cette coupe. D'ailleurs, vous savez, pour ceux qui regardent régulièrement ma chaîne, vous savez, c'est un peu la coupe de rose de ma future série MSP. Et j'adore cette coupe. Voilà, elle est là en blond, mais en rouge, je trouve ça très beau aussi. Et on va passer à la partie chaussures. Alors pour les chaussures, j'hésite. Soit on part sur des talons, mais après vu que c'est une robe qui est un peu casual, qu'on peut porter un peu à toutes les occasions pour sortir normal et tout, même à la maison, ce genre de robe, ça va super bien. Du coup, on peut très bien partir sur des baskets avec des chaussettes, tiens. Par contre, des baskets peut-être pas autant colorées parce que le rose là, il est un peu trop flash par rapport à la robe. Ouais, non. Je vais essayer de trouver des autres baskets. Bah ceux-là ils correspondent déjà mieux parce que c'est un rose un peu plus pâle, un peu plus... voilà quoi. Désolée mon chien est en train de faire des bêtises et du couper la vidéo, merci beaucoup Nex. Mais sinon les chaussures-là elles correspondent bien. Vous me direz ouais c'est un peu spécial ton style, mais moi j'aime bien quand même. C'est vrai que le style-là il est un peu space. Ah il a besoin d'auto, attends, on va lui envoyer un auto. Voilà, tiens, petit auto des familles. Un peu spécial c'est vrai parce que bon une robe comme ça avec des baskets comme ça et puis des chaussettes hautes c'est un peu chelou mais moi j'aime bien, c'est un peu original. Les baskets là elles iraient bien mais tiens tant qu'à faire partir sur un look original on va partir sur celui-ci et on va accessoriser le tout
Ah, ça aurait été pas mal avec ça, mais genre il aurait fallu des roues. Des chignons roues. Et comme je vous disais, mais bon, les tatouages là, je trouve que ça lui va pas super bien. J'aime bien sans, en fait. Voilà. J'aime bien sans. Avec ça, ça pourrait le faire. Ouais, non. Comme ça, ça va très bien aussi. Mais faut que j'arrête de mettre aussi à tout le monde des... Attends, ceux-là peut-être. Ouais, on va mettre ceux-là. Faut que j'arrête de mettre à tout le monde des taches de rousseur. Je sais que je kiffe les taches de rousseur. J'aimerais bien en avoir IRL dans la vraie vie. Limite, je vais me tatouer des taches de rousseur sur le visage. Oh, t'imagines, tu peux te tatouer des taches de rousseur sur le visage. Mais en tout cas, ça ferait super beau. Mais bon, voilà quoi. J'en mets à tout le monde parce que je kiffe ça. Voilà, mais faut que j'arrête parce qu'après, c'est pas original si tout le monde a une tache de rousseur. Dans tous mes relookings, ça le fait pas. Mais en vrai, acheter des taches de rousseur dans le game. Au niveau accessoires, franchement, là, je sèche un petit peu. Parce qu'à vrai dire, elle est bien comme ça. Même si j'ai envie de rajouter un petit truc. Mais j'aimerais bien, par exemple, trouver, je sais pas, ouais, voilà, ce genre de choses. Genre un truc dans les tons roses, comme ça. Ouais, on peut limite. Hein. On peut limite celui-ci. Même si je suis pas super fan des hyper gros nœuds comme ça. Je trouve que dans tous les jeux, il manque des petits nœuds. Enfin bon. Bah écoutez, je pense qu'on avait un petit peu le... Enfin, je trouve qu'on a... Ouais, de toute façon, on arrive au bout. Mais comme ça, ça me plaît bien. J'ai envie de rien rajouter, de toute manière. Je trouve qu'elle est quand même bien comme ça. Et bah écoutez, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo pour le prochain relooking, si bien sûr vous voulez en faire partie. Et bah sur ce, moi je vous laisse. Et comme d'hab, n'hésitez pas aussi à me dire lequel de vos looks... Enfin, de ces looks-là, vous préférez. Honnêtement, j'aime beaucoup le 2. Le deuxième look qu'on a fait dans cette vidéo. Mais dites-moi, c'est peut-être que vous en préférez un autre. Et ben moi sur ce je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao.